Première vidéo d'une série qui va concerner la structure et la conception des thèmes pour Xoops. On va se focaliser principalement sur Blank Theme, qui est un thème minimaliste. Donc les structures pour Xoops, c'est un petit peu le standard, hein. Vous avez une partie haute qu'on appelle header, où généralement vous avez un logo, une bannière, une boîte de connexion. Ensuite, une petite zone en dessous qui est menu horizontal, si vous le désirez. Une colonne à gauche, vous pouvez insérer des blocs via l'administration de Xoops. Une colonne centrale, idem, vous pouvez y mettre des blocs. Dans cette colonne centrale, s'affichera également le contenu des modules. Une colonne à droite, également, vous pouvez mettre des blocs, hein, soit du système, soit des différents modules. Donc il faut savoir un petit peu également que les blocs sont paramétrables au niveau de l'affichage en fonction du module affiché. Blank Theme est un thème vraiment minimaliste. Il y a le strict minimum au niveau des styles. On a laissé uniquement que ce qu'il fallait pour que la structure se tienne, positionnement des colonnes. Donc il est vraiment basique et idéal pour adapter un template d'un autre CMS, comme WordPress, Joomla, ou un template HTML que vous pouvez trouver sur différents sites ou à partir d'un PSD. Il est vraiment très pratique. Il possède toutes les fonctionnalités et possibilités que peut apporter Xoops. Et sincèrement, je peux vous dire, connaissant les autres CMS, que il n'y a pas de quoi rougir. C'est quand même nettement mieux avec Xoops. Donc voici la première partie. La seconde partie, deuxième vidéo, concernera un petit peu l'architecture des dossiers d'un thème. Ensuite, nous verrons la structure des fichiers HTML, les CSS. On parlera également un petit peu des fichiers de langue. Ensuite, de la surcharge d'un module. Et ensuite, dans d'autres vidéos, nous nous focaliserons un petit peu sur la possibilité de surcharger un thème dans un thème. Voilà la première vidéo.